Salut à tous, salut à toutes, c'est Neko du Koopa Clan et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de notre Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Alors très franchement, ça fait pratiquement une semaine que j'ai pu jouer au jeu, donc je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Je vais donc regarder un peu aux alentours. Je sais que c'était Fukushima cet endroit là, que le château avait été envahi par Granola et son copain. Et qu'il fallait chercher dans le bois Coca-Cola ou je ne sais quoi une potion ou une baie qui permettrait à la reine de guérir du ver solitaire qu'elle a bouffé en fait. Et donc du coup il va falloir que j'aille dans cette forêt. Je vais juste aller voir un peu la carte pour voir où est cette putain de forêt. Ok, c'est là-bas, donc c'est dans le sud-ouest, parfait. Donc on va y aller. Je crois pas que j'ai autre chose. Enfin, je pense que j'ai tout fait ce qu'il fallait ici. Donc je vais y aller. Alors, rendons-nous dans le nord-ouest. Je m'habitue un petit peu aux touches. Ah, c'est un piège là. Génial. Je commence à jouer depuis 3 secondes. Et je tombe déjà dans la pièce. Wouh! Je surkiffe. Non. Ouh là là, faut que je m'habitue avec les touches. Voilà, c'est bon. Eh ben. Alors, allons vers le sud. Oh, des Goombas pois qui volent, c'est génial. Coucou! Petit, petit, petit! Tu m'auras pas? Ah, mais si, Mayu. Alors, des Paragoombas pois. Bon. Très original. Ah oui, quand même, ils sont beaucoup plus puissants que les Goombas pois quand même. Hein. Moins 11 a pris une attaque. C'est pas mal. Hop. Voilà. Et je m'en débarrasse. Goodbye. Alors. Merde. J'espère que c'est par là. Voilà quoi. Voilà. Continuer vers l'ouest encore un peu. Alors, château de Soda Noble. Ça me fait penser à la pub là du... Une publicité sur je ne sais quoi. Je crois que c'était un yaourt ou je ne sais quoi. Sedob, je sais pas quoi. Enfin bref. Alors... On te dit next. Et toi aussi on te dit next. Bye bye! Un pois, haha, génial. Donc je crois qu'il faut que je monte, ça va être plus simple. Enfin, ça va être plus simple, ça va être possible du coup, si je monte. Voilà, alors... On va refaire ce qu'on faisait. Merde. J'ai pris un... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette merde, parce que... Sa tête improbable m'est restée... Le nom de sa tête improbable m'est resté en tête. Végépic, voilà. Ah, putain, ils sont pas foulés. Allez hop. Autant les appeler Koopa à pointe, ça va être plus rapide. On prend le petit pont. Je pense qu'il faut que j'utilise une des facultés de Mario là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me dire ceux-là? Pour protéger l'écosystème, l'accès du pont au rire est limité à certains individus. Et hop, on te montre la broche dégueulasse, la broche de Végésia. C'est le signe des hôtes. C'est le signe des hôtes de marque du château de Végésia. Bon, très bien, je vous autorise à entrer dans le bois. Proche jeu. T'es avec un coéquipier. J'espère que vous voudrez bien goûter notre formidable soda hilaro. Ah bah, s'il rend dingue comme vous, c'est génial, hein. Je veux bien y goûter. Par contre, je suppose que ça va être un soda qui enfuit tout au fond des bois. Va falloir que je cherche pendant une heure pour le retrouver. Et donc ça va pas être facile. Pourquoi ils ont pas des magasins? C'est plus rapide. Genre un petit magasin. Un magasin soda hilaro. On trouve bien des salopettes, des champignons, des sirops chez la connasse là. Alors on peut trouver des soda hilaro quoi, je sais pas. C'est pas une aventurière à la nana, ça se voit. Elle a que des trucs de la grande distrib. Alors, mais il faut aider les gens. Il faut aider les pauvres qui
qui cultive le soda hilarant avec Oxfam. Bon allez, on rentre, je sais même pas où on en est. Ah, fabrication du soda hilarant, section 1. Le soda hilarant est fait avec des fruits Jovia qui poussent au bois du rire. Je sauvegarde un petit coup. Bon, on va continuer un peu la partie de la vidéo parce que je ne pense pas que ça va être plus longtemps que j'ai repris cet épisode. Alors, soda ignoble. Soda ignoble. Ou je sais pas, sodome. Bref. Fabrication du soda hilarant, section 2. Mettez un fruit Jovia dans un tonneau rempli de sirop. Ouais. Fabrication du soda hilarant, section 3. Racontez des blagues au baril pour que le fruit se marre et remplisse le sirop de bulles d'air. Alors celle-là. Faut raconter des blagues. Bon, j'en ai pas 100 000 hein, des blagues hein, en tête. Bon, soit. On laisse vieillir quelques années en répétant l'opération des blagues pour obtenir un bon soda. Le créateur du soda hilarant est Bahram Kar, le propriétaire de la fabrique. Ah bah ouais. Il ressemble à Frankenstein un peu. Le gars, un petit peu. Enfin non, Frankenstein, qui se raconte. Einstein, pardon. C'est pas. Ils ont pas le même poids, ni la même taille, ni la même intelligence, les deux, hein. Quand même, la faute est horrible. C'est une grosse erreur. Alors. Je sais pas qu'est-ce que je fous là. Ça a l'air d'être un putain de labyrinthe. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Attendez. Alors, par là, oui, c'est possible. Ouh là là. Rien que là, je suis bloqué. Voilà, comme ça. Donc, à droite, non. Next. À gauche, next aussi, on dirait. Bon, il y a un trou, ça veut dire quelque part. Je vais essayer après chaque tonneau, hein, du coup. Sinon, je vais rester paumé. Alors. Donc, par là, c'est possible. Ah, ok, à gauche. Par là, non. Descendre, ok. Ouais, mais je reviens là. Oh là là, ça va être chiant ça. Je sens que ça va être chiant, ce labyrinthe de merde. Là, si je te le chiant, labyrinthe. Sky labyrinthe. Comment je fais maintenant? Je reste bloqué ou quoi? Oh, c'est lourd. Et merde. Putain, je vais pas rester bloqué une heure là-dessus, quoi, c'est chiant. Oh, voilà, par là. Et après, je fais quoi? Y a un mécanisme ou quelque chose? Vas-y, je vais prendre du trouelle, je vais tout enlever, je vais tout déchiqueter, ça me saoule. Putain. Oh! Eh, mais je suis bloqué, les gars, je suis keblo là. Oh! Putain de merde. Aïe, aïe, aïe. J'espère pas rester une heure là-dessus parce que ça va me faire chier sinon. Ouais. Mais j'ai remarqué que les développeurs des jeux vidéo, à chaque fois que vous êtes bloqué à un endroit, ils mettent des musiques, mais horribles. Vous l'entendez cette musique? On dirait qu'on est dans des bois là, alors qu'on est dans une. Je sais pas, dans un stock de tonneaux. Ah non! Me dis pas que c'était par là! Oh le con! Oh le con! Je suis dégoûté! Merde! Oh le con! Oh putain! Oh, j'ai fait l'imbécile sur ce coup là. Ok, donc par là. Hop! Par le haut. Par la droite. Comme ça. Après à gauche. Voilà. Alors. T'as un gros imbécile quoi, j'ai même pas fait gaffe. Oh, je suis deg d'avoir été bloqué pendant 2 minutes là-dedans. Quoi. Mais c'est pas possible. Ah, à droite peut-être, voilà. Par le haut, par la gauche, par le bas, par la gauche, par le bas. Ah, voilà. Là, je suis en train de me déquebleau là, c'est bon. À gauche ou à droite? À droite. Voilà! Hein? Où est passé Mario? J'ai même pas fait gaffe. Ah, il était là. Ok. Alors, je suppose que je devrais utiliser la capacité de budget à sauter. Hop. 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 Explosant 3. Alors, par là. Je suis au-dessus des tonneaux là. Une mauvaise manip et hop, je retombe.
Doucement. Il se passe rien en fait, y a rien. Je crois qu'il y avait des items au-dessus ou un truc de genre, mais en fait non. C'est pas grave, hein, y a pas d'item. Alors, on sort de là. Oh, oh, va, zombie, va, pas Lucari, je t'ai repéré. Purée, vous me cherchez. Vous voulez vous battre, ok. Nouvelle recrue. Oh, le nouveau. Viens par là. Oui, chef. Oh, il ressemble à Bowser, lui. Ok, le nouveau, à toi de jouer. Éliminez-le en rouge et en celui en vert. Oui, maître. Rouge et vert, il me semble les avoir déjà vus ces deux-là. Quoi, le nouveau, tu veux dire que tu les connais, c'est ça? Bah oui. J'ai quelques souvenirs, un visage détestable. Tenez-vous! Comment nous? Vous êtes venus ici pour aller chercher le légendaire son des héros? Oh, vous pensez vraiment que je vais vous laisser passer? Moi, par le Caïd, champion du monde, des voleurs, des trésors, je jure que personne d'autre que moi ne s'emparera du soleil héros. À toi la bousaille! D'accord. Alors, un combat, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Ah, ok, c'est le... Ah, ok. Je vais le prendre, voyez-vous! Bah, oui, bah tu vas pas te le foutre dans le cul, je pense, hein. Hop, hop, et bim! Ah, raté, bon, c'est pas grave. Comment osez-vous vous... Ah non, merde, mauvaise voix. Comment osez-vous vous mesurer au grand pargne? D'accord, il lance des marteaux, Bowser, maintenant, c'est génial. Il sait qu'il peut cracher du feu, le hamar, là. Oh là là. J'ai des réflexes de folie, là. J'ai des réflexes de René Lato, là. C'est pas terrible. En plus, ils utilisent des items pour se régénérer, en plus, ce bâtard. Putain. Oh putain, faut que je reprenne les réflexes là, c'est chaud. Oh là là, trop lent. Ah, ça va énerver si je suis lent comme ça. Bon, on va frapper le bleu. Ils l'ont appelé le bleu quoi. Voilà. Tu m'auras pas deux fois. Voilà. Hop. Les mignons avec un masque. Manque plus que le bas et ça ferait Bourka quoi le gars. Hein. Mais bon ça. Non, non. Il m'a volé le champignon. Putain. Je vais le prendre, voyez-vous. Bon, je vais pas répéter à chaque fois qu'il dit ça, mais bon ça. On a l'air d'être dans un entrepôt bizarre là. Oh merde. Oh. Horrible. Voilà. Voilà. Boum. Dans ton queue. Merde. Hop. Coup de marteau dans le cul. Enfin, dans la tronche plutôt, parce que dans le cul. Quand même. Oh, lui, j'ai KO. Merde. Va falloir que je le soigne. Et en plus, j'utilise les shrooms pour soigner son pote. Mais c'est un salopard. Ça va, j'ai des champions. Hop. Allez, tiens, mon petit frérot. Il te prend la vie. Il te rend la vie avec mes méga champé. Allez. Oh là, voilà, c'est bon. Enfin, j'ai toujours un stress que je suis pas assez rapide ou trop rapide justement. Et donc du coup, je peux pas esquiver l'attaque. Par contre, je verrais bien comment ça s'appelle là. Celle-là qui fait des Enko. Valérie et Damido, remettre un peu de couleur là-dedans parce que putain, ce violet sur le tapis, c'est moche. Sérieusement quoi. Elle va maroufler les murs et tout avec du papier peint. Hop. Voilà. Oh, trop lent. Ça va énerver ça. Bon, on va se soigner. Hein, parce que, voilà, c'est un peu la galère. Il donne encore 25 points, ça donne les champignons, j'ai les appelés quoi. 25 points de vie, c'est quand même pas mal. Hein. Hop. Parfait. Alors, là je suis d'attaque. Merde, trop lent. Avec Luigi, je suis trop lent, je crois. C'est ennuyeux. Oh, trop lent encore une fois. Je vais essayer de me débarrasser du voleur parce qu'il m'énerve. On va voler les chevaux à chaque fois. C'est lourd. Je sens que le combat va durer encore longtemps. Si on me vole à chaque fois mes chevaux, le gars. Je crois que je vais.
En off, je vais sûrement entraîner mes Mario Luigi parce que bon, je galère quand même là. Ils n'ont pas l'air d'avoir assez de niveau pour combattre des sous-boss comme cela. Hop, hop, merde, trop lent. Luigi encore KO, bon, tant pis. Hein. Purée. Je soigne les Luigi avec un champignon, un super champignon up. Donc c'est comme les champignons up, sauf que ça fait regagner toute la vie au lieu de la moitié, quoi. Voilà. Un rappel max à la place d'un rappel dans Pokémon, si vous préférez. Chacun ses références. Moi, je les connais plus ou moins toutes, donc ça va. Alors, on va attaquer Parme. Fromage de Parme. Ah, trop drôle. Oh là là, je suis trop lent. Oh là 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 là. Ah, trop lent. Non, je suis mort. Oh, c'est bon, je suis pas mort, putain. Ah ouais, mais lui, il va m'attaquer, là, je suis mort. Yes. Wouh, je suis pas mort. Oh, putain, Transpiration time, là, les gars. Bon, je vais me soigner, déjà. Non, pourquoi j'utilise un super champion alors qu'un champignon suffit, en fait. Bon, hop. Ça sera déjà ça de prix. Ouais, non. Oh là là. Ah oui, d'accord, il m'a volé un super champignon, le gars, en fait. Pff, voilà. Un combat pas facile du tout, quoi. Je galère pas mal, putain. Voilà. Oh, ah oui, ok. En fait, c'est... Il lance un marteau plus vite que l'autre, plus haut que l'autre, en fait. Donc, du coup, niveau timing, je me fais piéger. Ça craint, quoi. Voilà, hop. Je vais me soigner, hein. C'est la seule chose à faire, hein, je pense. Hop. D'abord, je vois. Voilà. Comme ça. Je vais me calmer un peu parce que je joue mieux, du coup. Hop. Parfait. Mario, rapide. Luigi, rapide. Merde, trop lent. Bon, Luigi, c'est mort pour lui, hein. Trop tôt, putain. Je commence à tenir le bon bout, mais ça suffit pas, quoi. Putain de merde, j'ai même plus de champion, quoi. Hop. Non, trop lent. Non, trop lent, encore une fois, putain. Ouais, je suis mort. Ah non, il me vole un champignon, ça. Je suis pas mort. Bon, je crois que je vais mettre un terme au combat. Soit mourir ou quelque chose, parce que ça va durer longtemps, sinon. Au pire, j'accélérerai la vidéo. Hein. Si ça dure trop longtemps, parce que là, c'est quand même un bon moment. Allez, en plus, son pote récupère 50 points de vie. C'est... Je galère pas mal, quand même. C'est chaud. Oh là là, c'est vraiment trop lent. Voilà. Si je m'en débarrasse un des deux, au moins, ce sera beaucoup plus tranquille pour moi. Ouais, ouf. Ouais, je suis encore un peu trop lent pour ça, mon souhait. Voilà. Toi, j'en entends un peu parler. Champignon, encore une fois, pour me soigner. Allez, on commence à voir le bout du tunnel là, tout doucement mais sûrement. Ouais, faut que j'appuie sur mon bouton. Lâche mon bouton un peu plus rapidement, voilà. Ok, saut sur Pargne. Voilà, chance en plus. Voilà. C'est chiant qu'il fasse deux fois une attaque, merde, là c'est trop rapide par contre. Ouais, ça va, je tiens le bon bout avec l'un mais pas avec l'autre, tant pis. Encore un champignon. Allez, courage, on peut le faire. On va le faire, on peut le faire, on va le faire. Le bricoleur. D'ailleurs, ça tombe bien, on se fait attaquer par des marteaux. Donc... Oh, merde. Il me vole un champignon, merde. Oh là là. J'espère que je peux la... Si je l'élimine avec une seule attaque, là, ça peut le faire. Non, c'est mort. Il va soigner son pote, il va soigner. Putain, chier. Oh, ça m'énerve. Non, et là, je suis trop lent. Et là, je suis trop rapide. C'est lourd. Allez hop, champignon.
Et se soigne, putain. 25 points de vie en plus, ça refile. C'est lourd. Bon, hop, 20. Oh là là, et là je suis trop... J'appuie sur le bouton 1 trop rapidement. Ouais, là trop lentement. Encore une attaque, je suis mort. Ouais, je suis mort. Bon, au moins c'est fini. On arrête là, game over. Parce que le combat a duré un peu longtemps quand même. C'est pas grave. Je crois que je vais arrêter l'épisode là. Et on va reprendre quand j'aurai fait gagner quelques niveaux à Mario Luigi. Parce que là, c'était une catastrophe le combat quand même, je trouve. Bon, bah... j'espère que l'épisode gros fail vous a plu. Au moins, il aurait été un peu affligeant, un peu marrant à regarder. Lâchez vos coms, likez si ça vous a plu, délikez si c'est le contraire. Et abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus!